La première édition de la Normandie Beach Race s'est déroulée le 21 septembre 2019 sur la plage de Ouistreham au nord de Caen dans le Calvados. Il s'agissait de la première course vintage française qui se déroulait sur une plage. Cet événement était ouvert aux véhicules auto et moto avant 1947. Les runs se déroulaient en alternance sur 200 mètres, un contre un, sans limite de passage. Cette première édition organisée par trois passionnés de véhicules vintage, Thomas Hervé, Jean-Marc Lazzari et Marc Félix, fut un véritable succès puisque ce sont près de 5000 personnes qui sont venues sur la plage de Ouistreham pour assister au run des 75 véhicules inscrits. Les organisateurs et la cinquantaine de bénévoles ont pu, sans réel budget, organiser un événement semblable à ce que l'on voyait dans les années 40 aux États-Unis. Surprise et preuve de l'engouement en Europe pour cet événement, des participants étaient venus de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Espagne et même un Américain. Aucune compétition ni de chronométrage sur cet événement, juste du plaisir. Parmi les 81 participants au run, la moitié était composée de hot rods et l'autre moitié de superbes motos. Principalement des Harley Davidson. Beaucoup de ces Harley étaient des modèles datant de la Seconde Guerre mondiale. Nous n'avons pu, hélas, pas pu faire plus d'images lors des runs, n'ayant pas été accrédité, la demande ayant été faite un petit peu en retard, malheureusement. Et en plus du spectacle sur le sable, il y avait aussi du spectacle sur l'esplanade Alexandre Loffy, où l'expo custom se trouvait. On retrouvait des hot rods et de très beaux custom. Malheureusement, certains étaient garés en dehors de l'esplanade. Mais s'agissant d'une première édition, tout ne peut être parfait. Et malgré ce petit détail, rien d'autre à redire sur cet événement de négatif. Et beaucoup de véhicules ainsi que de motos se sont garés dans les rues adjacentes de Ouistreham. Pour le plus grand bonheur des commerçants. Il faut dire que la promotion de l'événement avait été fort bien faite et la réputation de Ouistreham a fait le reste, rajouté à un superbe soleil. Cela ne pouvait être qu'une réussite. Il faut aussi signaler le geste de la mairie de Ouistreham qui a autorisé les rôdeurs à venir rouler sur la plage de Ouistreham Rivabella. Pour tous ceux que cela choquerait de voir des voitures rouler sur la plage, il faut bien signaler que les organisateurs avaient mis à disposition des bacs et des poubelles et que le dimanche matin, ils allaient nettoyer eux-mêmes la plage accompagnés par des visiteurs restés sur place pour qu'il n'y ait plus aucun détritus sur la plage. Certains pseudo-écolos feraient bien d'en prendre de la graine. C'était vraiment le paradis du hot rod ce week-end à Ouistreham. Et à ce sujet d'ailleurs, comme on l'entend bien souvent, on ne dit pas hot rod, mais bien un hot rod, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et parmi les voitures présentes à ce premier Normandie Beach Race, un superbe engin venu du Nord, dont la base est un Willys et qui fait 1500 chevaux.
oui, vous avez bien entendu, 1500 chevaux et qui a pu rouler dans les rues de Ouistreham. Ouistreham, donc nous avons rencontré des propriétaires d'un Willys, voilà, donc qui ont fabriqué un superbe dragster. Alors, parlez-moi un petit peu de ce dragster. C'est vous qui l'avez entièrement fabriqué ? C'est pas entièrement moi, c'est toute la famille. Donc on est une famille passionnée depuis deux générations, quoi. Et donc on a cette passion de la voiture, du bateau, des bateaux rapides, des motos rapides. Et ça, c'est 20 ans de travail. Donc de mon frère qui a parti d'une base normale après avoir fait des courses de dragster en Alterel, après avoir circulé sur toute l'Europe. Et il a concrétisé cette voiture, elle est unique, elle fait 1500 chevaux. 1500 chevaux. Un compresseur, elle a deux vis, première vitesse 200 km/h, deuxième vitesse 380. Donc c'est un dragster monté sur un châssis en tubulaire avec comme particularité d'avoir un pont spécial et d'avoir un système de freinage qui est un peu plus élaboré que les dragsters en général. C'est une voiture qui fait 6,5 aux 400 mètres. Il y a encore un championnat de dragster actuellement, c'est vraiment réduit. La France avec le climat qui change un peu, ça a tendance à se développer quand même pas mal un peu partout, ça bouge un peu partout. Et il y a encore beaucoup les Anglais qui sont présents, et je pense que ça va se développer avec le temps. Quoi. Et vous allez en faire où là des courses, spécialement en France ou en Europe? Il y a ce genre de course qui revient un petit peu aussi avec des voitures en course sur sable. Donc là, avec la France, avec tout le sable qu'il y a sur la France, ça peut se développer un peu, ça aussi. Ça. Mais bon, c'est toute une structure à développer, à faire, c'est compliqué, c'est lourd. L'administration française est très compliquée. Hein. D'ailleurs, je suis surpris qu'à Ouistreham, ça se passe bien. Il y a beaucoup de monde, il y a du soleil. La maréchaussée n'a pas été trop... Elle était indulgente avec nous, mais bon, il y aura encore des choses à faire au niveau du parking. On est obligé de se garer sur un parking qu'on ne voudrait pas. Ce qui est bien dommage. Bien dommage. Hein, tout à fait. Donc, mais bon, la ville, c'est la première fois. Et je pense que la ville, elle va comprendre. Et l'année prochaine, ce sera mieux. Quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est déjà très bien. Quoi. La France, c'est un beau pays. Ça mérite, quand il y a du soleil comme ça, que tout le monde en profite. Hein. Et bon, ça va se développer, tout ça, je pense. Et vous êtes d'où, dans le Nord? Du Nord. Donc, on est de Calais et Calais de Douai. Douai-Calais, c'est deux familles un peu écartées, quoi. Donc, ce qui est bien pour vous qui êtes de Calais, c'est que vous allez en Belgique avec... Il y a des pistes, par exemple? Ouais, il y a des choses qui se font, mais c'est quand même assez... Il y a beaucoup de distance à parcourir. Hein. Donc, c'est quand même laborieux. Il faut quand même le budget. Il faut quand même... Enfin, il y a tout ça, quoi. Mais quand on voit tout ce monde qui est là, en fait, tout le monde... Il y a des choses qui existent, mais chacun est dans son petit coin. Et bon, le fait que ça se développe un peu, on voit quand même qu'il y a un énorme potentiel. Oui, il y a du potentiel, effectivement. Et puis, les Suisses qui n'hésitent pas à rouler, les Anglais qui n'hésitent pas à rouler, il y a un potentiel là, quand même. Les gens se lâchent plus un petit peu. On a l'impression qu'en fait, ils en ont marre d'être un peu cadrés et qu'ils se disent... Voilà. On voit bien en moto le renouveau de la moto avec des gens qui après un certain temps mettent toute leur énergie dedans pour des trucs qui roulent pas très peu, mais bon, on voit qu'il y a quelque chose qui est là. Voilà. Bon, on regrette les années 80 sur de ce côté-là. C'est vrai que dans les années 80, les gars roulaient, faisaient beaucoup de choses. Les Français, au temps passé, c'était un pays qui avait quand même des carrossiers. La carrosserie, c'était quand même quelque chose, les voitures, c'était quelque chose, mais avec toutes les réglementations qui sont sorties, c'est compliqué. Bon, ils sont dans une catégorie spécifique, il faut espérer qu'il n'y ait pas trop de modifications dans ce genre de choses, qu'on puisse continuer à faire ce genre de choses. On ne fait pas de mal, tout le monde est heureux, c'est quand même agréable. Elle va démarrer la voiture.
Comme vous avez pu le voir, les absents ont donc eu tort. Rendez-vous est pris pour une deuxième édition. On ne sait pas encore si ce sera l'année prochaine ou dans 2 ans. À noter que vous pouvez retrouver les photos de cette journée sur le site guimbardetcircuit.wix.com et que si vous aimez rouler avec votre hot rod ou votre américaine, nous organisons dans le Perche le 21 juin 2020 le 3e rallye des Trous-Ducs. Nous vous attendons nombreux à cet événement dans le Perche.